Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Et donc on repart avec notre nouveau vaisseau, le vaisseau SMG entre guillemets. On va voir si on peut avoir une autre victoire avec, voir s'il est toujours aussi efficace et voir s'il est toujours à même de nous faire gagner quelques RP. Donc, alors, est-ce que le niveau des serveurs c'est toujours aussi cool qu'avant? On a 14 secondes, on aurait dû avoir normalement en moyenne. Ah bah voilà, il suffit de rager un petit peu. Bon. Quoi qu'il en soit, oulala, il y a du 180 partout. Ah oui, effectivement, ils ont rajouté eux-mêmes le Premium Day quand ils le voulaient à tout le monde. Ok, pourquoi pas. Cac tout tac. Si tu le dis. On va essayer de se faire aussi des crédits pour avoir un autre vaisseau, une fois de plus. Hein. On n'a pas de sniper. C'est peut-être une bonne idée d'en avoir un. J'ai ma petite idée sur comment le faire. Hein. On verra s'il est aussi... Ça, c'est nul. Hein. Ça, c'est vraiment nul. Hein. Je sais pas si c'est efficace, mais si c'est le cas... Ok. Bon, c'est le vaisseau bourré, en fait, en ce moment. C'est génial. Ok. Hop, là. Donc je peux le contrôler même pendant le saut, c'est cool. Hop. Bah alors, reviens. Reviens, l'ami. Hop. Alors, hop. Les. Oh non. Hop. Ok. Un drôle de bruit là. Bip 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 bip. Touché. Lui il repasse par au-dessus, il va se faire avoir bellement. Ok. Allez, ramène tes fesses. Fais-le venir, fais-le venir, fais-le venir, je l'attends. De pied ferme, comme dirait l'autre. Oh, ça grimpe. Ok. Par contre, j'aimerais bien que sa tourelle meure. Hop. Ok. Où est-il? Ok. Ok. Il va aller choper notre point. Bah écoutez, qu'il le fasse, c'est ce qu'il veut. Hop. Ok. Oh non! Il est où mon heal? Mon heal, il est où? Putain! Oh le heal, tu branles quoi? Oh le heal! Pourquoi t'as reculé là? Le heal là, putain! Oh putain, il a pété le heal. On court, chers amis. Et je cours. SMG
Je me raccroche à la vie. Je me bla. Et je me reconnais mon. C'est quelque chose et lui quand il attend. C'est moche si ça marche quand même. Hein. Ok. Je viens de filer un coup de main, l'ami. Ok. Ils sont chez nous, hein, techniquement, hein, faut le dire. Hein. Alors. Il n'empêche que ça se passe pas trop mal. Ça, c'est à nous. Parfait, ils l'ont eu celui-là. Ok, il y en a un juste là. D'accord, il manque des canons, merci l'ami. Par contre, je vais pas pouvoir venir vous aider les mecs. Hein. Vous vous démerdez comme des grandes fifilles. Ok. C'est pas grave. Vous pourriez m'aider, les mecs? Parce que là, c'est quand même casse-couille. Hein. Et voilà, c'est fini. Pourquoi je suis tout seul avec ce... Voilà, merci. Où est-ce que sont les autres trous du cul de mon équipe? Parce qu'entre la campouse là-bas, là, qui en branle pas une. Je suis curieux de voir le nombre de frags qu'elle a fait. 1 et 4 assists. Ah, par contre, elle est pas morte, c'est sûr. Hein. Bon, par contre, ça, j'aime pas ça. Faudra que je m'en fasse un parce que tout le monde en a un, mais j'aime pas ça. Autant le dire clairement. Et vous allez les reprendre les points ou genre pas du tout? Putain, mais c'est quoi qui me tape encore? Casse-toi! Et le heal, il est où? Putain, je suis mort. Je sais pas comment, mais je suis mort. Il m'en restait quand même une bonne partie de mon vaisseau. Je sais pas ce qui branle chez mon équipe, mais ça doit être d'une violence. Alors lui, il bourre. Hein. Soyons honnêtes. Lui il reste au niveau de ce truc là. Lui il fait de la merde. Lui je sais pas non plus ce qu'il fait. Il d'accord. Lui bah je veux même pas en parler. Lui il reste au sol. Ok.
Your bottom fusion tower is under attack. Alors, d'accord, le bip 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 bip, c'est le truc avant la régène. Ok, je viens de comprendre. Du coup, je viens de me régène complètement, ok. On va essayer d'avoir une tour quand même, merde. Parce qu'apparemment, c'est pas du tout ce qui intéresse mes amis. Hein. Mes alliés, enfin, vous appelez comme vous voulez. Voilà, deux tours. Comme le Seigneur des Anneaux. T'es sérieux là? C'est son ombre à lui qui le fait gagner. Ah putain. What? Qu'est-ce qu'il m'a eu? Il me fait bizarre ce mec. J'aime pas ça. On va dire. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que foutent mes potes, quoi. Putain, ils en branlent pas une. Hein. Ah, ça campe au niveau des points, mais. Alors. J'ai l'impression de tout faire, c'est une violence. IG Watron, je sais pas ce que c'est que ce machin là. Il a 11. Allez, on y va, on progresse. Vas-y, finis-le. Hop. Il va se planter. Je vais te couper en deux, l'ami. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. On progresse maintenant. Il tombe. Qu'est-ce qui m'a spotted? Feriez mieux d'aller. Mais putain, mais arrêtez de jouer au kill, bande d'abrutis! Oh, puis l'autre qui me passe sous le nez. Mais ils jouent tous le kill, hein, regardez ça. Incroyable. Et regardez, ça repart de notre côté à nous. Genre l'air de rien. Oh là là, c'est d'une violence. Mais tout le monde joue au kill, hein, parce que regardez, ils cherchent pas les points, les gens. Ça y est, ils en ont pris un. C'est pas la première fois que je le crois qu'il lag celui-là. Voilà, merci de bien vouloir repasser demain à la première heure. Hop. Merci. You have captured the enemy's middle fusion tower. Clock cycle booster activated. Eh ben non. Ok. N'a pas un qui peut me heal là? Eh ben non, on n'a pas un putain de heal. Ok. Ok. Là, il faudrait qu'il y ait un mec qui vienne rusher. Ou que lui, il fasse des dégâts. C'est vrai. Allez, encore un tir. Mais putain, mais rusher!
rusher plutôt que d'attendre au spot, au spawn. Y a des gens qui me parlent, je crois que le vert ça va être le Whisper. Je regarde vite fait s'il est dans mon équipe. Ouais, il y a des gens qui m'ont parlé en Whisper. Je peux pas répondre au Whisper parce que d'une, je sais pas trop comment faire, chers amis. Et bah, pas en partie quoi. Allez les mecs, un petit rush. Dégage. Allez. Lui il a tout compris chers amis, vous voyez. Il tente un rush. Ce que devraient faire nos potes. Mais j'ai pas l'impression qu'il se prend tant de dégâts que ça le machin en face. Ça y est, si c'est bon. J'ai vu prendre de très très lourds dégâts d'un seul coup. Au prochain tir on est bon. Voilà, c'est bon. Bien joué les mecs. GG. Bon. Bah une victoire de canard encore hein. Encore une victoire de canard. Une bonne chose de fait hein. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Et on est les deuxièmes de la partie. Ce qui est cool. Avec le véhicule, vous savez, qui pète en un seul coup là, l'espèce d'avion, l'avion kamikaze. L'avion japonais donc. Ouais. Combien de crédits on va se faire? Attendez, attendez, j'ai mal compté. 1 million de crédits? Bah cool. Attendez, ça nous fait combien de crédits? 154. 148 000. 10 millions 148 000 crédits? Bah ça va, 30 chill. 30 chill, 30 chill. C'est cool ça. 10 millions. Peut-être moyen de se faire un robot adéquat alors. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme robot? Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme robot? Mouvement, déjà. Au niveau du mouvement. Alors, au niveau du châssis, déjà, de base. Alors. Ok. Alors, au niveau du mouvement. Il va me falloir des rudders. C'est quoi la différence entre l'albatros? D'accord, c'est les points de vie. Ok. La suite. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, si je fais, je crois que cette touche là. Là. Hop. Hop. Là. Que là je mets forcément ce qui va avec. Hop. Ok. Pas cela, pardon, cela.
pouvez les mettre dans le bon sens, ce sera encore mieux. Voilà. Qu'en dessous, je place mouvement toujours. Hop. 1. 2. Hop. Un truc comme ça. Qu'au-dessus. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai pensé que je me trompais, n'est-ce pas, dans l'instant. Hop, je place ça. C'est deux têtes, hein, chers amis. Je le fais deux têtes, hein. Je sais pas ce que c'est, hein. Hop. Comme ça. Ensuite, voilà. Ok. Voilà. Donc là, je peux en mettre une. Donc on est bon. Hop, c'est celui-là. Qui veut dire que là j'ai chié dans la colle, c'est pas là qu'il est censé être. Mais bel et bien là. Ok. Hop, parce que voilà. Ok. Ok, jusque là ça tient le coup. Ce truc là il va là. Et normalement je suis censé pouvoir mettre un troisième au moins au milieu. Le mettre, d'accord, donc c'est bien là le maximum. Bon, on verra ça une autre fois. S'il en a besoin, en tout cas. Qui sait, ça se trouve, il pourrait ne pas en avoir besoin. Alors, ensuite. Ok. Un, deux, trois, quatre. Ok, pourquoi pas, on verra ensuite. Ok, c'est le petit bonus de fin d'épisode, hein. On verra bien. Tant pis si j'ai pas le temps de tourner ce que je voulais tourner derrière. Ok,
Alors, hardware. Ouais, je suis bête, j'ai oublié de rajouter ce qui compte. Hop. Alors normalement, je peux toujours pas les mettre. C'est bien ça. Hop. Hop. Là, c'est juste cosmétique, hein. On m'a expliqué qu'il y avait des règles dans le jeu pour bien construire. Je les connais pas. Dommage. Même si ça me semble pas très solide, donc là ça me semble un peu plus solide. Oui. Il va y avoir une chier de cube dedans. Hein. Vous voilà prévenu. Ok, donc non, là ça passe pas. Quoi, bébé, bébé. Ah, et faut pas m'inviter, chers amis, hein. Pas parce que je vois pas que quand vous me parlez qu'il faut m'inviter. Quand je joue à Robocraft, c'est que je tourne. M'inviter de manière intempestive comme ça, ça me plaît pas. Si c'est juste pour apparaître dans la vidéo, croyez-moi que je ne supporte pas ça. Et que je vais finir par plus accepter l'excuse. Ah bah non, je pensais que tu tournais pas. Alors que je dis bien dans tous les épisodes que je ne fais que tourner du Robocraft. En tout cas que je n'y joue pas pour mon propre plaisir. Bon alors, ça vient ou pas ce putain de... Ça en fait des cubes, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on règle ça avec une armature un peu plus légère. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Alors, attendez. Bah, allez voir, après tout. Je me rappelle plus la longueur qu'ils font, cependant. On va les acheter, mais... Ok. Alors. Par contre, il y a des trucs qui se sont effacés alors que je voulais pas qu'ils s'effacent. C'est cool. Quoique. Alors, oui, forcément, là, il n'y a plus rien qui vous accroche, je me doute. Attendez. Il y en a qui ont été supprimés alors que je voulais pas qu'ils soient supprimés, ceux-là. Bah non. Hop. Ok. Ok, c'est mieux comme ça. Donc. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi il veut pas? Ah, parce qu'il pouvait pas en placer deux, d'accord. Ok, donc là ça passe. Ceux-là.
Ok. Donc, soleil, va en falloir un paquet. Hop. Alors, je crois que c'est avec la touche contrôle droite. Voilà. Soleil, va m'en falloir un paquet. De toute façon, j'ai des crédits à l'appel, donc c'est pas grave de ce côté-là. Hop. Alors. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû... Ouais, ça les a tous supprimés du coup. C'est pas grave. Voilà. Ok. Et en plus, c'est joli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chers amis? Hop. J'aurai besoin de ça. Ah si, celle-là est tienne normalement à quelque chose. Ah, pas encore. D'accord, bah écoutez, je sais ce qu'on va mettre à la place alors. Ah mais Étienne n'a rien pour autant, oui. Oui. Donc si c'est bien ça qu'il fallait que je fasse. Hop. Ok. Jusque là, ça ne me semble pas trop mal. Je sais pas si c'est vraiment utile, hein, mais... Moi, ça me semble solide. Je sais pas si j'en mets là, donc c'est trop haut. Hop. Ok. Ok. Ça, c'est pas mauvais. Alors, ensuite. Continuons un petit peu cette espèce d'architecture. Donc là, on n'a pas la longueur qu'il faut. Si j'en rajoute des petits. Ou alors je rajoute simplement. Hop. Hop. Voilà. Et est-ce que là ça passe au niveau du centre avec les comment les différents canons? Ça passe. Alors. Je n'ai plus de cubes de ce genre, bah dis donc, j'en aurais mis un paquet. Hein. Alors, C. Hop. Ok. Ok.
Le problème, c'est que ça me fait aller trop loin. Encore un coup, je pense, et on sera bon. Ensuite, la question sera de savoir si je peux, si j'aurai encore un certain équilibre. Ensuite. Alors. C'est vraiment extrêmement chiant ça. Non, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Un simple cube comme ça, des fois ça changerait tout, hein, mais... Bon, même si je mettais un truc comme ça... Faisons un petit coup de style aussi, hein, après tout, hein, pourquoi pas. Alors, ensuite. Ok. Voilà. Voilà. Voyons voir où ça nous mène, hein. Est-ce que c'est suffisant? Mon nom, hein. Est-ce qu'on peut encore, par exemple, se permettre de... Hop. Ce genre de fantaisie. Alors, oui, on peut. Intéressant. Hop. Alors, voilà. Plus ou moins. Hop. Ensuite, ce sera ça, non? Oui, c'est ça. Ensuite, ce sera ça.
Alors, normalement, ce vaisseau est fonctionnel. Est-ce qu'il va avoir la propulsion suffisante pour se déplacer? Pour l'instant, c'est la véritable question. Cependant, avant toute chose, j'aimerais qu'on en profite. Hop. Voilà. Ensuite, toutes les structures à l'intérieur seront noires. Non, j'ai dit noir. Ok. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Ok. Oh, vous savez quoi, on va pas s'embêter, hein. Ah, j'ai envie de m'embêter pourtant. Croyez-moi que j'ai envie de m'embêter. Ah oui, j'ai pas pensé aussi. Les ailes. Hop, pareil. Même traitement. Bon, vous savez quoi, on va pas se faire chier. Hop. Crac. Voilà, c'est un prototype. Il est noir, c'est normal. Test robot. Alors, on va faire le test. Hop. La question est la suivante, est-ce qu'il vole? Il a pas assez de puissance. Ça m'étonne pas. À vrai dire, ça ne m'étonne pas. Ok. Et il manque aussi, il doit certainement aussi manquer quelques rudders. Ou quelques ailes, je ne sais pas. Alors, imaginons que je prenne à la place, hop, deux grandes ailes. Que deux des rudders en question disparaissent. Je ne vous dis pas lesquels, c'est pas celle-là que je voulais. Et que deux de ces rudders soient remplacés. Hop. Alors voilà, je ne retrouvais plus la touche.
j'ai bien pris l'autre. Ah. Voilà. Déjà ça. Et. Que je me permette l'achat, on va dire, de deux autres. Hop. Deux autres thrusters. Qui iraient respectivement ici et ici. Ah, il veut pas y aller. Bon bah qui irait respectivement ici et il m'en faudrait deux autres. Donc, un autre plutôt. Ici. Alors ça donne quoi si j'en rajoute deux de chaque côté ici? Hop. Est-ce que j'ai la puissance suffisante? Telle est la question, chers amis. Alors. Il vole. Par contre, il cherche clairement à aller un peu haut. Au niveau de l'équilibre, c'est pas top. Ouais. Au niveau de l'équilibre, c'est pas top. Et si je rajoute deux petits thrusters à l'avant qui viennent l'aider à faire l'appoint, entre guillemets, chers amis. Thruster que je placerai, tant qu'à faire, le plus bas possible. Et au moins par paire. Hop. Est-ce que là, il est plus fonctionnel? Ah. Si, ça y est, il a essayé d'y aller quand même. Déjà, niveau vitesse, il est loin d'être inefficace. Les thrusters font leur boulot. Mériteraient d'être presque un petit peu plus puissants, mais ils font leur boulot. Et ce sniper vole. De là à dire s'il est oui ou non efficace, c'est une autre question. Et bah toutes les cibles atteignent, hein. Toutes les cibles sont atteintes. Hein. Donc et bah écoutez chers amis, je pense qu'on va ira tester ce vaisseau. Dans un des prochains épisodes, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et moi, je vais juste rajouter deux petits hardware. Deux petits électrochites, pardon. Hop, de chaque côté. Ici. Ah, je peux pas en mettre plus. Je peux en mettre qu'un. Deux comme ça, alors. Voilà. On dirait qu'il a une tête comme ça. Bon, salut les gens.